Vous connaissez ces gens au boulot, dans d'autres cadres, qui connaissent rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, vraiment, on est sur de la fumisterie assez évidente. Et pourtant, dès lors qu'ils ont à parler, à donner leur avis, on a l'impression d'être face à de vrais experts. Eh bien, ces personnes sont des personnes qui croient en leur rôle. La différence souvent entre deux orateurs, un orateur moyen, un orateur très bon, c'est que le second croit beaucoup plus en son rôle que le premier. C'est ce que j'ai appelé la théorie de la veste. Il croit très fortement en la veste qu'il a, ou qu'il n'a pas, mais en tout cas dont il a l'idée dans son esprit. Et c'est parce qu'il croit très fortement en son rôle que le public y croit aussi. Alors attention, ce n'est pas du théâtre, hein. On n'est pas au théâtre, c'est la vraie vie. Si on était au théâtre, on jouerait des personnages, du latin persona, qui signifie masque de théâtre. Donc si on était au théâtre, on mettrait des masques. Et si je mets un masque, je ne suis pas moi, je joue quelqu'un d'autre, voyez. Tartuffe, Molière, je suis quelqu'un d'autre. Nous, on fait de l'art oratoire. On prend la parole en public dans le cadre professionnel ou personnel. Dès lors, si je prends la parole en public, c'est bien que je ne suis pas un acteur, mais bien un orateur. Dès lors, je ne suis pas un personnage. Je joue un rôle, j'assume un rôle de formateur, je joue mon rôle de consultant, de manager, de directeur. Et ce rôle, ce qui va me permettre d'obtenir, ce n'est pas un masque. Hein, je ne suis pas quelqu'un d'autre de 9h à 19h avant de redevenir moi. Mais c'est bien une veste. Et cette veste, j'y crois à fond. Vous n'y croyez pas à 50%, vous y croyez à 100%. Théorie de la veste, c'est donc ceci. Si je veux être à l'aise avec l'improvisation, avec l'idée de trouver des idées de manière fluide, eh bien je dois croire à 100% à mon rôle. Croyez-y à 100%, vous le faites pour vous, vous le faites aussi pour le public, vous lui devez ça. Il est venu voir non pas votre personne, mais bien votre rôle. À vous donc de croire en cette veste et vous verrez que le public y croira également davantage.